Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Très chère Vierge Marie, très chers pèlerins, en ce beau dimanche, merci de vos prières pour Benoît, qui est un résident de Lourdes, qui malheureusement est aveugle, n'a pas la vue comme beaucoup. Merci pour Benoît, s'il vous plaît, de vos prières. Notre-Dame de Lourdes, où je suis venue si souvent et prier pour Justine et Thomas, s'il vous plaît, merci beaucoup. Notre-Dame de Lourdes, je vous en supplie, aidez Pierrick à retrouver quelqu'un, qu'il puisse avoir une vie normale et heureuse. Veillez sur toute notre famille. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la récitation des mystères glorieux du rosaire nous dispose à nous laisser convertir par le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Apprenons du Fils bien-aimé le secret de sa vie donnée. Apprenons de lui jusqu'où va l'amour. Premier mystère glorieux, la résurrection. Saint Paul appelle les Thessaloniciens à accueillir la parole au milieu de bien des épreuves. Prions pour l'Église, qu'elle annonce la paix à tous les peuples, qu'elle travaille à abattre les murs de la division, de la haine, des préjudices, qu'elle fasse œuvre de réconciliation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio,
Et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par la bouche du prophète Isaïe, le Seigneur demande de ne pas exploiter l'immigré, de ne pas accabler la veuve et l'orphelin. Prions pour tous ceux qui sont attentifs à la misère des autres, pour ceux et celles qui accueillent les malades et les soignent jour après jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et gloria patri et filio et spiritui sancto. Ô Marie conçue sans péché. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Prions pour que nous ne nous résignions pas à voir nos religions détournées en source de violence et de terreur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, pauvres. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Prions pour ceux qui peinent à gagner leur pain, ceux qui n'ont plus de travail, pour que tous les exclus soient regardés avec respect et trouvent en nous des frères et sœurs accueillants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, «
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché, cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie, prions pour les plus proches de nous, pour ceux qui nous ont donné la vie et pour ceux à qui nous avons donné la vie. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, vous vous êtes convertie à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable. Frères et sœurs, ces propos de l'apôtre Paul adressés aux Thessaloniciens, c'est la seconde lecture de ce dimanche, ne sont pas qu'élogieux. Ils tracent un chemin de conversion, se détourner des idoles. Elles pullulent autour de nous, parfois cachées au fond de nous-mêmes. Elles gouvernent nos vies. Je n'en citerai que deux. L'idolâtrie du moi, d'abord. Les répliques de Narcisse ne parlent qu'à la première personne. Nul autre qu'eux n'existe. Toute leur conduite s'en ressent, leur relation avec les autres notamment. Si le moi est absolu et intouchable, s'il compte plus qu'un conjoint, un enfant ou un ami, il rend aveugle à l'amour. Seconde idole, celle qui nous enferme dans un ailleurs. C'est tantôt une obsession du passé, tantôt une obsession de l'avenir. Du passé, le peuple hébreu au désert s'y est abandonné. Nombreux sont ceux qui font de même. Idolâtrent le passé qui n'existe plus en oubliant ses carences. De l'avenir aussi, car la nostalgie de l'ailleurs est à double face. Elle laisse croire que par ses seules forces, l'homme réalisera le bonheur éternel sur la terre. La tentation de regarder vers l'avenir, le pape François l'a découverte un jour quand il était archevêque de Buenos Aires. Il se rendait à pied dans une paroisse pour y célébrer des confirmations. Il traversa un parc où une cinquantaine de tables étaient occupées par des personnes assises l'une en face de l'autre. Que faisaient-elles ? Elles interrogeaient les tarots. Au lieu de prier Dieu qui est providence de l'avenir, on venait là lire les cartes pour voir l'avenir. Les tarots projettent dans un hypothétique futur et font mépriser le présent. Or, le véritable Dieu, commente le pape, enseigne à vivre dans la réalité de chaque jour, dans le concret, non pas avec des illusions sur l'avenir. Frères et sœurs, vivre la réalité quotidienne, débusquer les idoles cachées, abattre le mur de nos prisons narcissiques, fuir l'illusion de liberté qui détourne de la réalité, c'est un devoir majeur du chrétien. Seule la force de Dieu peut nous aider à bien le remplir en neutralisant notre suffisance égoïste. L'amour dont Dieu nous aime seul libère de la superstition des idoles. Frères et sœurs, laissons-le carboniser nos égoïsmes, notre orgueil, les réduire en cendres. Le passé est passé, le futur imprévisible, le présent fugitif. Bonne raison de ne pas le galvauder. Il est le temps de notre conversion. Il est propice à suivre le Dieu vivant et véritable. Point de pieuse routine, donc, point de verbiage, point d'illusion. Que notre volonté soit toujours conforme à la volonté du Père. Pour le dire avec les mots de la liturgie de ce dimanche, tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Le père Jean Corbineau rapportait cette histoire vécue. Elle se déroule dans le train Nantes-Paris.
Un père est en face de son fils, handicapé mental profond. L'enfant se gifle sans arrêt et pousse à intervalles réguliers un long cri d'angoisse. Le père s'en occupe avec tendresse. Lors d'un arrêt, quatre marins montent et s'installent dans le compartiment. Le petit garçon, un instant calmé, recommence à gémir et à se gifler. Alors, l'un des marins se lève et vient s'asseoir en face de lui, prend ses mains dans les siennes et plonge ses yeux dans ses yeux. Échange silencieux jusqu'à Paris. À Montparnasse, le père et le marin se serrent longuement la main, sans parler. Puis le marin reprend son sac et disparaît. Il y a un autre langage que celui des mots, commente le père Corbino. L'histoire ne dit pas si ce marin était chrétien ou incroyant. Il n'a sorti aucun fétiche de son sac. Il a laissé parler son cœur, bouleversé par le côtoiement de la misère humaine, un comportement évangélique. Frères et sœurs, notre époque a tant besoin de tels témoins qui vivent dans le règne de l'amour, d'hommes et de femmes qui sachent adapter leur conduite aux souffrances et aux malheurs rencontrés sur la route. Il n'est pas de meilleur antidote au poison que dégorgent nos idoles. Servante du Dieu vivant et véritable, la bienheureuse Chiara Luce l'a été sans mesure. Nous célébrons aujourd'hui sa fête. Cette jeune Italienne, membre des Focolari, est morte d'un cancer des os au mois d'octobre 1990, peu de jours avant son 19e anniversaire. Dans sa chambre de l'hôpital de Turin, son église, comme elle disait, les médecins, certains agnostiques ont été témoins de quelque chose qui les dépassait. Bouleversés par la paix qui émanait de cette jeune fille, ils se sentaient attirés comme par un aimant, reconnaissent-ils. Chiara Luce était l'une des 13 patrons et patronnes des JMJ qui viennent de se dérouler à Lisbonne. À une amie qui lui demandait si, aux gens qu'elle rencontrait, il lui arrivait de parler de Jésus, d'essayer de leur transmettre sa foi, elle répondait « Ce n'est pas tellement parler de Dieu qui compte. Mon rôle à moi, c'est de le donner. » Donner Dieu, quelle audace! Frères et sœurs, que la bienheureuse Chiara Luce nous aide à mieux comprendre l'exigence de la double mission que Jésus énonçait au docteur de la loi, venu lui demander quel était le grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Soyons les témoins d'une Église intrépide dans la foi, patiente dans l'espérance, déterminée à abattre les barrières de l'égoïsme pour construire des liens de fraternité, de solidarité et de partage. Pour donner Dieu autour de nous. Amen. Prions le Seigneur. Nous ne finirons jamais, Dieu notre Père, de chanter l'immensité de ton amour. Que cette louange ouvre pour nous une vie nouvelle animée par ton esprit et tournée vers le service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, bienheureuse Chiara Luce, priez. Ô Marie conçue sans péché, prions ensemble pour la paix. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour le Moyen-Orient, pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.